Quatrième invité du fauteuil blanc, tribune d'expression du quotidien Le Nouveau Réveil, Mamadou Koulibaly. Pendant ces 90 minutes, l'invité a abordé plusieurs points, notamment le recensement général de la population et de l'habitat, la CEI, la commission électorale indépendante, les élections à venir et ses relations avec ses anciens camarades du FPI. 2 ans après, j'aime bien parler de l'avenir, des perspectives pour leader plutôt que de chaque fois regarder en arrière et puis faire comme si j'avais des regrets. Il faut retenir simplement que je n'ai aucun regret. Aucun regret. Et je suis parti et viré comme je l'ai été. Je ne m'ennuie pas du tout. Le président de l'IDER, Liberté et démocratie pour la République, estime que sa candidature aux élections de 2015 est certaine, mais il suggère une CEI transparente. Oui, pour 2015, Koulibaly est candidat, que la commission puisse fonctionner sans dépendre de ceux qui lui ont donné mandat, qu'il soit complètement indépendant, qu'on ne les tienne pas par la bourse. Mamadou Koulibaly a insisté sur le rejet des états généraux de la République qu'il ne trouve pas nécessaire. Un leader, on n'en voit pas l'utilité, mais chaque groupe a son concept. Fauteuil blanc, devenu désormais une tradition, est une tribune d'échange instaurée par le groupe Nouveau Réveil. Pour le président du groupe Denis Casion, c'est un moyen d'apporter une contribution au développement de la Côte d'Ivoire.